Bonjour les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Pour moi, c'était top. J'étais avec ma famille dans le sud de la France. Il faisait très bon. On a très bien mangé. Et après, on est tous tombés malades. On a tous eu la grippe. Mais bon, c'est la grande épidémie en ce moment en France. Mais ça valait quand même le coup. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit, étant donné que chaque année, chaque nouvelle année, on fait tous des résolutions et je suis sûre que la plupart d'entre vous, comme moi, ont comme résolution pour cette année d'économiser de l'argent. Seulement, quand on adore les produits beauté, ça peut devenir compliqué. Alors, avec cette vidéo, je vais partager avec vous mes produits beauté favoris, mais qui sont pas chers, mais qui sont vraiment efficaces. Alors, c'est des produits qui ne sont pas nouveaux pour moi. Ça fait des années que je les rachète et que je les rachète. Donc, j'espère qu'ils vous plairont. Alors, on commence tout de suite. Le premier produit est un soin visage et c'est le masque gommant de la marque Uriage que vous pouvez trouver en parapharmacie. C'est le produit le plus cher que je vais vous montrer dans cette vidéo et il coûte environ 9 euros. Alors, c'est un masque exfoliant, ce qui veut dire qu'il utilise une exfoliation chimique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de frotter votre peau pour qu'il exfolie votre peau. Alors, c'est un masque 2 en 1, ce qui fait qu'il y a tout de même des grains à l'intérieur. Donc, si vous voulez exfolier manuellement, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'utilise en le posant sur mon visage. Je ne touche pas, je ne touche rien du tout, je le laisse juste poser et quand je rince, je peux sentir que ma peau a été bien exfoliée, ma peau est plus nette et ça aide vraiment l'apparition de nouveaux boutons. Alors c'est pas un nouveau produit pour moi, j'ai fait un article il y a quelques temps déjà sur mon blog là-dessus, donc je vous laisserai le lien dans la section où je laisse les liens. Pour que vous puissiez regarder les détails si ça vous intéresse. Le second produit est un soin pour le corps et il s'agit du lait nutritif pour le corps de la marque Palmer's. Alors ce produit, je l'adore. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est l'une de mes amies. Alors que je me plaignais, que je lui disais que j'essaie plein de crèmes pour le corps et qu'aucune ne me satisfait. Parce qu'en général, la peau de mon corps est assez sèche. Et quand j'utilise des crèmes épaisses, elles mettent du temps à pénétrer, elles sont collantes, elles sont pas forcément nourrissantes. Bref. Et donc, elle m'a conseillé celui-ci, car c'est celui qu'elle achète depuis des années. Et je me suis dit, pourquoi pas, il est pas cher, on va tenter. Je pense qu'il doit coûter environ 4 euros en magasin. Et il est efficace, il colle pas du tout, il est vraiment nourrissant, votre peau est juste magnifique. Donc, je vous le conseille. Le prochain produit est vraiment nécessaire en ce moment avec ce froid horrible et il s'agit du baume à lèvres de la marque Carmex. Alors j'en avais déjà entendu parler mais il était impossible pour moi de le trouver et je l'ai trouvé finalement l'an dernier dans une boutique afro à Londres où il m'a coûté moins de 2 pounds. Maintenant je l'ai vu disponible chez Monoprix pour 3 euros. Alors il est comme ça. Et il est très efficace. Moi, j'ai des lèvres desséchées, quelle que soit la période de l'année. Et en hiver, c'est encore pire, c'est la catastrophe. Alors, les baumes à lèvres, c'est bien beau, mais ça coûte assez cher pour ce que c'est. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas efficaces. Alors que celui-ci, il dure longtemps, car vous voyez, il y a de la place, il y a de l'épaisseur. Et il fonctionne. Il fonctionne mieux que la plupart des produits que j'ai pu essayer. Donc, pas la peine d'acheter un produit super cher qui vous dure une semaine. Essayez celui-ci, vous me remercierez. Désolée les youtubeurs, mais là je vous fais du voix off pendant quelques minutes car j'ai perdu le son de ma vidéo. Mais ça revient bientôt. Alors là, je vous parlais des gants de chez The Body Shop que j'adore. Ce sont des gants exfoliants. Alors vous en trouvez dans beaucoup de magasins, mais j'en ai testé beaucoup et je trouve que ceux du Body Shop sont vraiment meilleurs. Ils exfolient bien mieux. Il coûte 3 euros et vous en avez 2. Il dure très longtemps, il rend votre peau toute douce et au lieu de dépenser tous les mois 20 euros ou 10 euros selon les prix pour un exfoliant pour le corps, eh bien, je vous conseille de tester les gants exfoliants parce que ça marche très bien. Mon prochain produit est très simple et très abordable niveau prix, mais très efficace.
Et il s'agit de ces petites serviettes. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai la jaune, j'ai la verte, j'ai la marron. Et en fait, j'utilise ces serviettes pour enlever mon maquillage. Alors ma routine pour enlever mon maquillage, c'est simple. J'utilise d'abord une huile démaquillante. Vous pouvez aussi utiliser une huile telle que l'huile d'olive. Moi, j'aime utiliser celle de la marque Origins ou celle de la marque Caudalie. Alors j'applique l'huile. Je plonge cette serviette dans de l'eau chaude, pas brûlante, et après je la pose sur mon visage quelques secondes et je fais glisser et là tout votre maquillage s'en va. Maquillage waterproof, maquillage longue tenue, maquillage haut de gamme, tout ce que vous voulez, ça part. Et vu que ce sont des serviettes classiques, elles se lavent très facilement et comme elles ne sont pas chères, vous pouvez en acheter plein et utiliser une nouvelle propre tous les jours et ensuite les laver. C'est très efficace, ça marche, c'est pas cher et elles durent très longtemps car elles sont robustes. Maintenant, on va parler maquillage avec ces crayons de la marque Rimmel. C'est le crayon Scandalize Waterproof Kohl Eyeliner. Pour résumer, c'est un eyeliner waterproof. Et je l'adore, il coûte environ 5 à 6 euros. Et je l'aime pourquoi? Parce qu'il est vraiment waterproof. Et pendant des années, j'ai galéré pour trouver un vrai crayon waterproof. Parce que je porte des lentilles assez spéciales et qui peuvent se tacher rapidement à cause du maquillage. Alors, j'avais trouvé un crayon chez la marque Make Up Forever qui m'allait très bien pendant des années, mais il coûte environ 20 euros, quelque chose, il me semble. Donc, le jour où j'ai entendu parler de celui-ci, je me suis dit, on va essayer, parce que 20 euros, ça fait quand même de l'argent, tu vois, pour un crayon. Et je l'ai essayé et je l'adore. Il tient super bien. Je le trouve même mieux que celui de Make Up Forever, parce que celui de Make Up Forever est assez sec. Du coup, c'est assez dur de l'appliquer. Celui-ci n'est pas sec, il s'applique très facilement, mais il ne bouge pas et il ne tache pas mes lentilles. Alors, ils ont plusieurs couleurs. La seule autre couleur que j'aime, c'est un bleu marine. Parce que je trouve les autres couleurs assez spéciales, ou en tout cas pour ma peau, c'est un peu spécial. Mais voilà, donc j'ai le bleu marine et j'ai le noir. Et c'est un produit que je rachète sans cesse. C'est le seul crayon noir qui est autorisé à toucher mes yeux. Le dernier produit est un produit cheveux et il s'agit tout simplement de l'huile de coco que j'utilise depuis au moins, je sais pas, presque 6 ans. J'ai commencé à l'utiliser quand j'ai commencé mon aventure capillaire avec mes cheveux défrisés, donc c'était il y a pas mal de temps et je l'adore. Alors, elle est censée être blanche comme ça si vous l'achetez. Une fois, j'avais essayé une huile de coco que j'avais vue encore moins chère dans un magasin chinois qui vend de la nourriture dans un grand pot. Et je me suis dit, bon, ben, c'est moins cher, tant mieux, tu vois. Et quand je l'ai achetée, elle était solide parce qu'il faisait froid, donc elle était blanche comme ça. Et quand il a commencé à faire chaud, elle s'est liquéfiée. Mais la couleur était un jaunâtre. Alors l'huile de coco, quand ça se liquéfie, c'est censé être transparent comme de l'eau. Donc si votre huile de coco et jaunâtre, c'est pas normal, c'est pas la bonne. Donc si vous devez l'acheter, vraiment essayez de la prendre 100% naturelle et organique parce que vous pourrez en tirer tous les bénéfices. Je l'utilise avant mon shampoing, je l'applique par section sur toute ma chevelure. Il n'est pas nécessaire d'en appliquer une tonne. Franchement, au début j'en appliquais trop, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire. Alors vous en appliquez par section, vous utilisez un film alimentaire et vous allez dormir avec. Et en fait, la chaleur de votre corps, plus la chaleur qui est dans la pièce durant 8 heures ou 7 heures pendant lesquelles vous allez dormir, ça donne un effet serre à vos cheveux. Donc ça fait comme une sorte de bain de vapeur à vos cheveux. Et le matin, quand vous enlevez le film alimentaire, vos cheveux sont tout doux, ils sont forts, ils sont malléables. Et grâce à ça, votre routine sera beaucoup plus simple parce que vos cheveux resteront bien démêlés. Donc ça les nourrit, ça les démêle, ça les rend brillants. J'adore ce produit. Et là, j'en ai pour 200 millilitres. Ça me coûte 5 euros en boutique bio et ça sent magnifiquement bon et ça dure super longtemps. Ça dure vraiment, vraiment très longtemps. C'est mon dernier produit. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à économiser un peu plus d'argent pour 2017. Si vous avez déjà utilisé un de ces produits, si vous les aimez ou s'il y a un de ces produits qui vous intéresse le plus.
Faites-le-moi savoir et on pourra discuter dans la section commentaires. Je vous dis à la prochaine fois et merci de m'avoir regardé. Bye bye.